DJ Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo 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 Tangwango yango yo e koki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange. Bien, merci beaucoup Tango Koki RDC, Tango Koki, votre chaîne d'information et de la communication. Nous sommes là encore pour vous donner les informations en ce qui se passe dans la politique congolaise, mais également sur le plan socio-culturel. Nous sommes en direct depuis la ville province de Kinshasa. C'est par là que vous êtes en train de nous suivre. Alors, c'est toujours un grand plaisir, c'est toujours très heureux de nous retrouver devant vous. Devant le petit caméra, ce monsieur Mara Bobola, votre communicateur, ainsi que je suis accompagné notamment par notre jeune frère Gims, à qui est prouvé. Nous lui présentons toutes nos condoléances au nom notamment de notre chaîne Tango Koki, à Père Bongo, Lekinae, à Moissy, ou à Koufi, à niveau à province et à Kulu. En tout cas, Gims, nous allons vous présenter ma condoléance, Nabiso. Alors, mes salutations à vous tous qui nous suivez depuis la ville de Bienozé. Là, ce sont des Congolais qui nous suivent vraiment. Nalinga qui n'a fait sa binombote mingi parce que à chaque fois dans ma commentaire, dans mon aka, Stéphane Balamwange, Marabobola, Tozola Nabino, na Argentine, Namboka et Lionel Messi, Namboka et Paolo Dybala. C'est comme ça. Donc, voilà un peu. Tobo Sante Bandeko Bazana, Canada. C'est vrai que Canada est comme Mboka Moko. Oyo moi, Batbako Koufamingi, Denemar, Moni jeune moko ya Ganaepe, babeta ki makas, ma sas akufaki. Alors, ça commence un peu à inquiéter. Bon, tu éviter ce qu'ils a dû à Nini. Je crois que les autorités canadiennes bas ont à disposition pour nous protéger la population et surtout que ce sont des étrangers bas au Koufala Mokawana et aux la penza malam ou penza. Alors, nous allons essayer un peu de parler un peu de la politique. Lelo na kokota na makambo mususu te na zo vandaka makambo etali kimia na moniele ya ekolo Congo. Aujourd'hui, je ne parle pas de autre chose. Na kolobela makambo mususu te lelo. Lelo na zo lobaka ka makambo etali guerre ya Est République démocratique du Congo. Oh non, Jésus encore la salaki accident. Oh non, Max Soka la salaki nini. Oh Joël qui tenge ba kangaki. Oh Stéphane ba mwangi ba fundie na parke et tali biso lelo te. Lelo to lo baka ka makambo o etali est. Alors, une très bonne nouvelle, processus de Luanda. Le Rwanda accepte alors officiellement de retirer ses troupes sur le sol congolais. Ça, c'est la victoire diplomatique du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis que le chef de l'État a commencé, depuis que le chef de l'État a lancé sa bataille contre l'agression rwandaise, c'est la toute première fois que M. Kagame se voit déjà omis. Kagame a dit qu'il a retiré sa troupe sur le sol congolais. Dans un document où ils allaient signer, dans le niveau, il y a Luanda, entre la partie rwandaise, mais également entre la partie congolaise, et sous la médiation notamment du ministre des Affaires étrangères angolaise, le Rwanda accepte alors de retirer ses troupes sur le sol congolais. Ça, c'est la première victoire parce que, pourquoi tout ça, Kolobaye, qu'ils allaient victoire? Parce que le chef de l'État a bandi Bitumbao et Kolobaye, et Sengelito Silisa Bitumbaya Est. Et Sengeli n'a pas surtout si les habitants est. Mais tu aussi les habitants est n'ont rien. Pas matin mais c'est Kagame a joué qui va pouler sur la yee. A joué bato balata sokoto, bato balata bateni, bato balata bilamba ezalaga na couleur ya mai lokola ya kasa ya zamba. Atinda bango na Congo, bato wana bayaka bako boma, bato wana bako iba, bato wana bako kamata ba mama na makasi, bato wana bako botola biloko ya baimboka, bato wana bako kota tina bilanga ya baimboka, bako kende ko ba, bako kende ko zwa biloko na makasi. Yango moni mukula lelo, Kagame andimieke alongola bongo bato na eba lata sokoto na kati ya zamba ya Congo na mabele ya bakoko na biso e ali bongo babenga kalongonya. Pona makambo etali politique ya libanda ya mokonza mboka o babengi diplomatie agissante o ezali politique pena e ko ngalangba o e ko pesa biso makasi makambo etali diplomatie ya chef de l'état Félix Tshisekedi azubongo première victoire
Kagame andimi a longola la troupe naye sur le sol congolais na kosenga na ndeko Gims avec le temps akolakisa biso document o ezali signé par le Rwanda ainsi que la République démocratique du Congo comme ça to analyser. Alors voyant sa chute d'être venu mais Kagame réaménage alors son armée, il change et il révoque certains généraux à signer bongo ordonnance présidentielle à nommer bongo Moko Azali Neve naye a tie na makambo etali la réserve de la République Mosu a tie soki na makambo etali prévision quelque chose comme ça. Ce sont les deux jeunes généraux Oyo Kagame a nommé bango bangonde baza koloba ke ce sont eux qui vont protéger le régime de Kagame pendant qu'il sera à sa fin et pendant que Akoti ka pouvoir parce que Kagame za ko mona déjà ke bientôt là ce sera ma fin. Est-ce que na koufa loko la biarimana? Est-ce que na kende loko Mobutu? A kenda ki Maroc? Est-ce que na koufa loko la baboma Mouze? Est-ce que na koufa loko la baboma président tanzanien? Est-ce que na koufa loko la baboma Lamine Dada Wazalaki, ancien dictateur président ougandais? Mais c'est Kagame prépare déjà petit à petit sa sortie, mais également Azakouti qui la baboma bengaka la souche politique. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Je vous demande, soyez à l'écoute. Na pese la bino, makambo oza kolekana na mboka na biso. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le gouvernement de Soumouina, le chef de l'État déjà a yoki mbela ya peuple. Chef de l'État a yoki mbela ya peuple. Peuple a yébisi Tshisekedi. Ma kamboza koleka na este et sengelo silisa yango. Est-ce que le président congolais ayo kaka ba imboka? Tango chef aza koleka na ba cortège. Tango ba soda baza liboso. Tango chef de l'état aza kozwa pepo ako mata. Est-ce que chef de l'état ayo kaka bongo ba imboka? La réponse n'est que le chef de l'état écoute sous son peuple. Mais qu'est-ce qui a prouvé que chef de l'État a yo kaka peuple naï? La diplomatie agissante des chefs de l'État. La volonté politique des chefs de l'État. De voir que la paix puisse régner dans la partie est de la République démocratique du Congo. De remettre encore ce qu'on appelle l'intégrité territoriale. D'imposer ce qu'on appelle l'autorité de l'État. Mais également, il y a cause de l'eau qui la stabilité dans la sous-région. Mais également, dans la partie est, où va bengi ya mounyele ya ekolo Congo. Batou ya nyamou nyamou, où yo Kagame azo tinda na Congo. Baya ko boma, baya ko kamata ba mama na biso. Baya ko kamata ba tata mwasi na biso. Oyo bazali na eteni ya mabele ya Magi, bazali na eteni ya mabele ya Walikale, bazali na eteni ya mabele oyo babengi ya Shabunda, bazali na eteni ya mabele oyo babengi ya Niragongo, bazali na eteni ya mabele oyo babengi ya Lubero, bazali na eteni ya mabele oyo babengi ya Ruchuru, bazali na eteni ya mabele oyo babengi ya Masisi. Kagame azwa bato balata Sokoto atinda bango. Bokende pona ko bate la mboka na biso Rwanda a parti ya Congo. Pambate ezali na bandeko oyo bazaki na bango même tribu o babengi ba Hutu ba kima na Congo. Kagame aza komona eki batu wana soki bazongi na Congo ba kokende ko bondisa ye et puis Kagame ako perdre bokonzi na ye. Ndentana na tina wana ye penza aza kozwa ba soda aza kotinda bango wapi na Congo. Ba soda wana depi ba ya. Ba lo baka ono. Tozo kende ko bundisa FDL. Pa mbate FDL. Nde aza ko lukandenge nini. Ako ki. Ko isa bo konzi ya Kagame. FDL. Nde aza ko boma. FDL. 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 Ndenge ba lo baka eke. Bo solo. E ya kabongo. Na ba eskalye. Lokuta e ya kana sanse. Awa lokuta ya Kagame monani polele.
Kagame ndimi abimi saba soda na ye na Congo. Kagame landa information na za ko pesa yo mo na mboka. Bande ko boza na Argentine. Boza na Buenos Aires. Bozali na Canada. Mama na biso Melanie waza ko landa biso na Canada. Landa information Kagame andimi alongo la basoda na ye na Congo. Lobi loleki tozalaki na ba pretexte awa no na monyela ekolo Congo ezalinde M23. M23 azali ko bundis azali ko bunda pona makambo etali sécurité intérêt ya peuple congolais. Mais tango tokei na Luanda et pas na président angolais Joao Lourenço atala lobi non ngai mission ma pesi ngai ya ko sala médiation ezali entre la comment on appelle ça, la République démocratique du Congo, le pays cher de Félix Tshisekedi Tshilombo, mais également entre le pays de Paul Kagame. Naye ko sala médiation entre les M23 et Kinshasa. Naye ko sala médiation entre Nanga et Kinshasa. Naye ko sala médiation entre Katumbi et Kabila et Kinshasa. Naye ko sala médiation entre Église catholique et Kinshasa sous la le régime de Félix Tshisekedi. Joël Rousseau babengi parti rwandaise, babengi parti congolaise, représenté par notre ministre des Affaires étrangères, Madame Kaikwamba, la diplomate congolaise, celle qui vend l'image de la diplomatie de la République démocratique du Congo dans les instances internationales, dans les instances, dans les concerts des nations. La ministre Kaikwamba, Oyazali, ministre des Affaires étrangères, Yende Moutou, Bakei ko signé mi koloto, Batie penda, ou babenga ka biki na papier. Kagame, na ministre na étranger, yafaire étranger, bandimi ko tia mo koloto, pona ko longo la ba troupe na bango na mabele ya Congo. Batu oye baza ko sala mo boulou, nyamu na mboka. Mbilinga na monyele ekolo Congo. Bandimie ou ben penza eke, ba bima bongo na Congo, ba kende na bisika, oyoyo, bango ba koki bongo kovanda. Effectif na bango total, ezali combien? 4700 hommes rwandais, oyo baza na Congo. Et Kagame loko landimi ko signe loko wana, à travers ministre des Affaires étrangères, ba kolongo la bango na Congo, ba kokende, ba zongi sa bango wapi na Rwanda. Et pendant ce temps, ministre y affaires étrangères rwandaise bandimi pe ko sala cesser les faits et lingi ko ba tege ke loko la bolongo li ba militaire na bino sur le sol congolais. Ça veut dire que bo continuer ko bunda, non, vous acceptez ya ko longola ba militaire na bino na Congo, ba soda na bino na Congo, ba ibaza ko sala nyamu, ba ibaza ko sala mbilinga, ba ibaza ko sala makamba bo joba, makambo ya mabe, makambo ya klikli, ya loyenge, ya mboto, bolongoli bango nde tondimi peke toko beta lisusu masasi te. Est-ce que stratégie oyo bazwaki ya ko sala cesser les faits, est-ce que États-Unis ayebaki ke Kagame akondima kolongola ba troupe na ye na Congo? Parce que lelo lokola Kagame alongoli ba troupe na ye elingi koloba ye pe ata lisasi moko na monyele ko Congo ekobeta lisusu te. Soki lisasi beti, alors wana bakokende kokamata Kagame, bakokende kotia ye maboko, ba mema ye liboso ya bazuzi basambisa ye. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que nakoyi kokoba? Soki Kagame mekikaka kobeta lisasi moko na basoda na ye ya nyamu ya M23. Awa lisusu M23 azate. Omoni ndoki ye, nazo ebi sandeko moko tango tozalaki na march mokolo ya samedi. Tokei kobengana Kabuya na IDPS. Biso ba kombata IDPS. Na ebi sandeko moko na lobi, Nzete ya baoba. Bakata kango ekpe ya kana mokolo moko te. Nzete ya baoba ekpe ya kana mokolo moko te. Mbelio esingelo kata nzete ya baoba
esengele nzalambe ezalambeli ezala mino penza ezalambeli oyo ne baloba na lingala basebi yango penza bien po ezana banzete mususu tiembeli bo salinga nga nga mezanzete ezali bangate ezanzete e na ebisi nde kuwana ke ndoki ya bomaka moto na mokolo moko te ndoki ya koko boma abandi koloka yo lelo po kufi lelo ndoki ya koko banda koloka yo utali buma mama na yo ndoki ya zo loka yo kaka ti misyon na ye koko kisama kaka soki bale yo me biso ba oto boma mama na makila ankolo biso ba oto boma mama na makila molimo santu bako kabiso te Kagame yango lelo oyo tolobi yango les militaires rwandais si les sols congolais Kagame andimi ko bimisa bango na Congo est-ce que ezali demande ya Félix Tshisekedi tango akendaki na New York ayebi si Joe Biden esengeli otia pression loko la l'époque Barack Obama na John Kerry bayaka kotia pression et pas na Kagame ke alongo la bongo bat balata sokoto na ye ba M23 na Congo pamba te Congo azalaki na makambo itali maponami po Kabila kokayi te kolongo la bato balata sokoto na Congo soki ezali bongo te est-ce que ezali tango Kagame akenda kikuna na assemblée générale ya ONU o uti o salama je crois posomi baleto poto posomi balele kiao ba yebisaki ke esengeli olongo la ba soda na yo na Congo pamba te ezali ko violer mibeko ya mokili oyo ko tambusa mokili na oyo ko tambusa makambo etali somi ya baimboka somi ya ekolo o ba bengi souveraineté ya peuple souveraineté ya mboka lelo yo Kagame andimi kolongola ba troupe na ye na Congo ndeko Gims akosunga biso na mikanda wana bino moko botala tango kokito ya kapona kokosa binote ezali ba information oyo tozwaka to puiser to analyser to mastiquer yango to grignoter et puis to koti na profondeur to pesi bino information mikana yango wana boza komona signé entre la partie congolaise et la partie rwandaise sous la médiation ya Angola mais c'est Kagame avec son ministre des affaires étrangères bandimi ko longola ba militaire rwandais sur le sol congolais et bandimi ko sala wa benga ka cesser les faits est-ce que maître Gims okoko pesa biso ndingi sa totanga yango mukya totanga yango kaka mukye totanga kaka mukandana na lingaki totanga tambe mukye aba militaire rwandais ba keyawa na ebite soki Kabila ko pesa sur raison ya ko soutenir nanga. 5e réunion ministérielle sur la situation de la sécurité et de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, Luanda, République d'Angola, 12 octobre, compte rendu. 1. Sous la facilitation de la République d'Angola, la 5e réunion ministérielle entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda s'est déroulée à Luanda le 12 août 2024. Les délégations étaient dirigées par Son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba, ministre des Affaires étrangères d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la RDC et Son Excellence l'ambassadeur Olivier Juppé Ndouri Guirehe, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, Son Excellence l'ambassadeur Tété Antonio, ministre des Affaires des Relations extérieures de la République d'Angola, a conduit la délégation angolaise. 3. Au cours de la réunion, les ministres ont analysé les derniers développements depuis la dernière session ministérielle du 14 septembre 2024. Dans ce contexte, ils ont considéré ce qui suit. A. Cessez les faits. Les ministres ont réitéré l'appel aux partis en conflit à l'est de la RDC sur la nécessité de respecter les cessez les faits du 4 août 2024. B. Plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR, les désengagements des forces élevées de Mézi
défensive du Rwanda, plan harmonisé. La délégation de la République du Rwanda a réitéré son soutien au plan harmonisé conformément au rapport du 29 et au 30 des experts en renseignement et présenté pendant la réunion ministérielle du 14 septembre 2024. 4. Face à ce qui précède, le ministre a validé les activités et les responsabilités contenues dans le plan harmonisé ont été décidées de 1. Charger la facilitation de préparer avant le 26 octobre 2024 un projet de concept des opérations, concept basé sur les contributions des parties en tenant compte des préoccupations des uns des autres. D. Convoquer une réunion d'experts le 30 octobre 2024 à Luanda pour examiner les concepts préparés par la facilitation. C. Mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Les ministres ont décidé que 1. La RDC et le Rwanda soumettent à la facilitation jusqu'au 15 octobre 2024 le nom de leurs officiers de liaison respectifs qui doivent intégrer les mécanismes de vérification ad hoc renforcés MVAR. Les frais y relatifs seront pris en charge par leurs respectives. 2. Ils ont également décidé de procéder au lancement officiel du MVAA à Goma, RDC, au plus tard le 5 novembre 2024. Alors, pour la République démocratique du Congo, son Excellence, Madame Thérèse Kayikwamba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie. Pour la République d'Angola, Son Excellence l'ambassadeur Tété Antonio, ministre des Relations extérieures. Pour la République du Rwanda, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur Olivier Juppé Nduyihegere, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. Alors, les noms que vous êtes en train d'entendre, c'est un nom rwandais. Alors, tous les gens ont des difficultés, c'est un peu compliqué. Alors, la lecture de Mara Bobola, Makambo Itali, diplomatie adjacente, il y a chef de l'État. Où il y a salié qu'aujourd'hui, la médiation angolaise, où il y a Zala qui désigné par l'Union africaine, va qu'elle ne peut pousser M. Kagame à travers son ministre des Affaires étrangères, va retirer la troupe sur le Congo. Et puis, va ça là, cesser les faits, va que ça là, et là, va bengi mécanisme où il y a Zala ad hoc. Pendant que Lukaku Sala qu'on mettre en place Obabengi état-major général où ils allaient représenter naba officier militaire supérieur pendant que Lukaku Sikoyo qu'on surveillait retrait où ils allaient M23 et puis où ils allaient payer banane y a bas militaire rwandais. Mais nous savons que sur le sol congolais ce sont des Rwandais où basu couler y a bas M23 où ils allaient que Lukaku Bundisa bas militaire Nabiso. En tout cas, pour la énième fois, nous sommes en train de féliciter encore le chef de l'État pour sa diplomatie agissante aujourd'hui. Tout le monde le sait que le M23 traquait la République démocratique du Congo et M. Kagame ne voulait pas non plus céder la partie Est de la République démocratique du Congo. La zone où ils ont occupé, notamment Bounagana, qui tient partout le M23 parce que le M23 n'existait pas. Ce sont les militaires rwandais. Alors, Sombele Sukabisanga, Totali Kokoba, Malembe, Malembe, Etamboli ya Mobembe, Etamboli, Oezali en Koba, Koba Kenara, Oben, Malembe, Malembe, Azako Kende Kokoma, Bongo Nasuka. Alors, M. Kagame, Azali Komona Eke, pouvoir naye, Ezako Kende na Kusila. Kagame vit comportement Oyatie, a bébisi ba relation entre les pays voisins. A baby si relation entre la République démocratique du Congo. A baby si relation naé entre le Burundi. A baby si relation en Tanzanie. A baby si relation dans ma pays à sur région ébélé. Et partout, mais c'est Kagame Azakoleka, Bazali ko jire kaka na départ naé. Et puis, relation diplomatique, y a M. Kagame, Ezali sous malamou, t'es. Voilà pourquoi
au moment où tout ça qu'on y est Sabino, mais c'est Kagame a réaménagé et là qu'on va bengi armement naie d'abord a changé oh bah ben a révoqué quelques généraux mais également a cueilli peu qu'on l'a nommé oh bah bengi neveu naie a tiré bongo na niveau ya armée rwandaise na niveau ya réserve de l'armée mosusu a tiré na première division ce sont ses neveux ce sont ses proches bazali ba membre ya famille naie oyoyo azu bango ati moko na réserve ya armée mosusu ateye na première division mais quelle est alors la stratégie de monsieur Kagame oyaza ko luka ko changer notamment ba généraux naye pendant que azalaki eli il y a pas plus longtemps avec 99,9% monsieur Kagame a compris que ce ne sont pas seulement les élections qui vont garantir ma sécurité, ce n'est pas seulement mon combat contre Félix Tshisekedi qui va garantir ma sécurité, mais ça sera aussi ma stratégie de pouvoir placer mes frères, mes neveux, mes cousins au sein de l'armée afin de me protéger. Parce que Kagame pense déjà que Bokozinae Isaac Okenena Kosila, alors le Kola Bokozinae Okenena Kosila et Sengeli Azwa Bande Konaye. Ba neve na ye, ba kouze na ye, ba bana ba tata mwasi na bango, ya ye atia bango wapi na arme, pona koluka nenge nini, akoki ko konserve pouvoir na ye. Me Kagame aza komo na ye ki, eske si aujourd'hui na zate, ke sera alors le sort du Rwanda? Avec ya pas longtemps, James Kabarebe bi alobi yango, James Kabarebe bi alobi, aujourd'hui, le peuple rwandais, c'est un peuple qui est mal vu. C'est un peuple qui n'a pas une bonne réputation au niveau de l'Afrique, au niveau du monde. Partout, les Rwandais passent. On l'observe avec un œil, je ne sais pas moi, avec un mauvais œil, avec un œil très regardant. Aujourd'hui, la réputation des Rwandais, ce ne sont pas de bonnes réputations. Voilà pourquoi il faut, à coûte que coûte, mais M. Kagame cherche comment maintenant. Yakoluka, Kobongisa, Elo Kobabengi, régime naye, Azoluka déjà en perte de vitesse. Alors, M. Kagame nomme des généraux au sein de l'armée. Sont nommés par le président Paul Kagame au sein de l'armée rwandaise afin de renforcer son armée et son régime. Voyant à la fin de son régime, M. Kagame ne voit plus alors plusieurs jours à la tête du Rwanda, raison pour laquelle celui-ci pense déjà comment placer ses cousins, ses neveux à la tête de l'armée, car il sait que c'est un régime sanguinaire et il ne peut être donc protégé par le militaire. L'un à la réserve de l'armée et l'autre à la première division. Alors, M. Kagame a placé déjà bateau. Oyo, a tiré bango na quatre armées. Oyo, à ce moment-là, déjà que non. Awa tiseke de zako kwen singa wa suki bo konzye sili. Nako suka wapi. Alors, il fana zwa déjà bateau. Yo, nako tiki la bango pouvoir. Mais je vais dire une chose. La chose que je veux dire est que en politique, on ne se protège pas. En politique, la seule personne, le seul individu qui peut nous protéger comme nous faisons de la politique, c'est le peuple. Parce que le même peuple est censé de pouvoir demander à la communauté internationale que vous soyez jugé. C'est le même peuple qui peut demander à la communauté internationale, même à la Cour pénale internationale, lorsque vous êtes attrapé pour des infractions graves telles que les crimes contre l'humanité, de demander à cette communauté, à la Cour pénale internationale, de vous relâcher. Ça veut dire que lorsque nous sommes en train de faire la politique, nous devons penser à mettre le peuple dans les bonnes conditions. Parce que ce sont le même peuple là. Une fois que vous êtes abattu, une fois que vous êtes trahi, c'est le même peuple qui va vous protéger. Voilà pourquoi nous avons toujours pensé qu'il est important pour nous qui faisons de la politique, pour ceux qui sont au pouvoir, pour l'actuel chef de l'État, de pouvoir penser aussi à ce peuple. Il faut que ce peuple puisse manger. Il faut que ce peuple puisse trouver les soins de santé dignes de son nom. Il faut que ce peuple puisse trouver les transports qui va le permettre de se déplacer en toute sécurité. Il faut que ce peuple puisse avoir de l'électrification. Il faut que ce peuple puisse trouver l'éducation et la formation professionnelle. Il faut que ce peuple puisse trouver de l'emploi. Il faut que ce peuple puisse trouver ce qu'on appelle la joie, mais également la satisfaction
de ses intérêts. Au moment où ce peuple n'a pas trouvé ses intérêts, la réaction du peuple est toujours très farouche et personne ne peut faire reculer un peuple. Comme Rossi Mukendi l'a dit, le peuple gagne toujours. Et c'est Ngoizala qui a mingi pour Nakoluka. Comment Tokoki ko informé Bino? Et nous sommes vraiment à la fin. Mais je ne saurais jamais finir cette émission afin de vous dire que Marabobo, la combattant de l'IDPS, le neveu politique de Tien Tshisekedi wa Mulumba, c'est lui qui a encaissé le combat de Tien Tshisekedi wa Mulumba. Nous qui avons accepté, nous qui avons adhéré à la vision de Tien Tshisekedi wa Mulumba, nous n'avons pas adhéré à la vision de Félix Tshisekedi à l'IDPS. Nous n'avons pas adhéré à la vision de Fatih à l'IDPS. Nous avons adhéré à l'IDPS suite à la vision de Tien Tshisekedi wa Mulumba. Ça veut dire que et Maman Marthe, et Félix Tshisekedi, et Christian Tshisekedi, et Ortide Tshisekedi, tous ces gens-là, nous avons adhéré à l'IDPS compte tenu de la vision de Tien Tshisekedi wa Mulumba. Le leader Maxime. Alors aujourd'hui, la base est en train d'exiger le départ de Kabuya. Mais personne jusqu'à présent ne veut écouter la base. Est-ce que la famille ou alors les cadres de notre parti politique ont dans la volonté de voir l'IDPS être changé, prendre ce qu'on appelle la pyramide, être renversée? Hier, c'était la base qui exigeait les choses à l'IDPS. C'est la même base qui a exigé les retraits de la signature de Félix Tshisekedi à Genève afin qu'aujourd'hui nous puissions être au pouvoir. C'est la même base qui avait exigé le départ de Kabund. Mais aujourd'hui, la même base exige le départ de M. Lunyeka. Mais c'est Kabasele. Aujourd'hui, la base n'est plus écoutée. Mais nous devons dire ceci. Les samedis, nous étions dans la rue. Nous étions avec les amis et connaissants, les amis au sein du parti. La vidéo que vous avez vue en train d'être circulée, oh Moutalati Drapo Azokima, c'était moi Marabobola. Les combattants de l'IDPS de la première ère. Babeti Bisso Massas. Mais c'est Kabuya a envoyé les militaires. Pour Babeti Bisso Massas. Parce qu'on devait aller à la permanence. Pour aller nettoyer notre permanence. Eux, ils commis salité. Tozako Sengana Messi Lunyeka. Mais c'est Kabuya, vous devez savoir que l'IDPS ne vous appartient pas. Et l'IDPS n'appartient pas à votre famille. L'IDPS est un héritage de tout le peuple congolais qui aspire à combattre les inégalités, mais également les antivalins. Aujourd'hui, nous sommes remerciés par rapport au combat de Tien Tshisekedi wa Mulumba. Mais nous avons dit ceci, la base gagne toujours. Nous sommes derrière Deo Bizoubou, nous sommes derrière la base du parti et nous allons exiger. Nous allons paralyser les activités au sein de l'IDPS. Kabuya ne saura pas gérer ce parti politique parce que ce n'est pas son parti politique. Aujourd'hui, les combattants sont miselés. Les combattants n'arrivent plus à être écoutés, voire même auprès de l'autorité de référence. Mais nous savons une chose, que notre autorité de référence est quelqu'un qui écoute. C'est quelqu'un qui juge, non pas par rapport à ce qu'on lui dit, mais il juge par rapport à ce qu'il voit. Et je pense qu'il est en train de voir ce que M. Kabuya est en train de faire à l'IDPS. IDPS est comme Pambolo. IDPS est allé sous IDPS T. Quel serait alors, au cas où Tshisekedi céderait le pouvoir, que deviendrait IDPS? C'est ça la question que nous devons nous poser. Comment nous allons conserver le pouvoir? Aujourd'hui, on demande à Kabuya de partir. Il ne veut pas partir. Il s'accroche alors qu'il n'a rien à nous prouver alors. Il n'a rien à nous prouver. Aussi longtemps qu'il a démontré son incompétence, il a démontré son incapacité à gérer ses grands partis politiques. Kabound est parti. Jacques Meshabani était parti. Moutanda était parti. Bruno Mavungo était parti. Et tant d'autres. Est-ce que Kabuya est plus fort que tous ces gens-là? Est-ce que Kabuya est plus fort que tous ces secrétaires généraux? Même Etienne Tshisekedi, dès son vivant, il ne nommerait jamais alors M. Kabuya comme secrétaire général de notre parti politique. Nous sommes debout et nous n'allons pas céder. Les combats que nous avons lancés pour sauver ces partis politiques, nous réitérons notre soutien à notre secrétaire général de Deo Bizoubou. Nous réitérons notre soutien à notre président de Ligue des Jeunes, Emmanuel Dioko. Nous réitérons notre soutien à la volonté de la base. Et à la prochaine. Merci. Bye.
DJ Stéphane, Balamwange, Congo ya Lumumba, Congo, la Fati Beton, Tangwe Koki, oh yo yo, Tangwango yango yo, e Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane.